2 jours. Il me reste encore 2 jours pour être au top pour le Critérium Vintage de Saint-Cloud. 2 jours pour être en forme et surtout pour loger dans mes vêtements. Et ça, ça va pas être le plus facile. 2 jours. C'est haut encore le sommet ? Poulidor démarre et prend le large. C'est à nouveau l'événement d'importance dans le Tour de France. Cette fois, c'est parti, hein, je crois. L'histoire a été renouée parce que Saint-Cloud faisait partie de ces grands circuits les plus prestigieux, avec les critériums de Château-Chinon, le Bol d'Or des Monédières et puis Châteaulin. Et donc Saint-Cloud, tous les grands champions sont venus inscrire leur nom au palmarès. Et pour Raymond, c'était presque un pèlerinage. Il a triomphé en 63 et en 69. Et je me souviens qu'en 1976, nous avions, avec le concours de France 3, fêté ses 40 ans. Donc l'organisation d'aujourd'hui a permis de revivre cette époque bénie où le cyclisme brillait de mille feux. Et je pense que cela a été une très très belle journée avec les anciens coureurs, des dirigeants, et puis cette fête populaire qui fait que le cyclisme reste toujours très présent dans les mémoires et toujours vivant. Je sens que ça vient, bouge pas. Monsieur Gasling, si nous entend, Monsieur Gasling, Francis Gasling est demandé sous l'arche d'arrivée. Faut qu'on voie avec les voitures qui sont là. Je vais demander. Panoply ? Oui, je vais voir avec les chauffeurs. Je ne peux pas en moi là-bas. Qui c'est les coupeurs ? Ah voilà, voilà Monsieur Gasling. Raymond Caillot, il est là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien, on va commencer à se préparer pour le cortège. On va aller en direction donc, de Chasseneuil. On va laisser passer 2-3 voitures devant. La voiture cagouille, donc, qui va faire la voiture ouvreuse. Ensuite, on va avoir la voiture de la gendarmerie. Donc, soyez prudents. De toute façon, je vais être devant et je verbalise sans problème. Le carnet est plein. C'est limité à 30 km/h hein, en ville. Donc après, dans la descente, vous pourrez monter à 35 si certains y arrivent. Donc on se retrouvera sur le parking du mémorial. On fera une visite qui sera guidée. Ensuite, on repartira, on fera un petit tour à Chasseneuil, on ira boire un coup parce qu'il nous faudra bien ça pour revenir sur Saint-Cloud où on mangera. Et puis à l'après-midi, donc je vous donnerai le déroulement de l'après-midi plus tard. Je ne vais pas trop vous charger avec mes discours. Donc j'attends la voiture de la gendarmerie. S'ils m'entendent, ils viennent se mettre en place.
direction de Chastrel, au coup de sifflet de Monsieur Raymond. Eh ben, c'est parti comme des cons. Les gars devant, là, ils ont bourré. Le copain, il était dans la roue. On a eu un problème, là, on a pris le bas côté, il a crevé. Et merde, il a fini sur la jante quand même. Hein. Et regarde. Et il gagne le sprint. Thank you.
savez où vous enseignez. Ouais, super randonnée vintage, un aller sur Chasse-Neuil magnifique sous la pluie ce matin, un retour identique, l'ami Richard Fortin qui casse son vélo et qui monte sur mon tandem, et un final terrible où on se fait déborder par tout le peloton avec Orion, néanmoins on fait quand même avant-dernier. Voilà. Oui, alors, une attention particulière, il y a quelqu'un qui est mal là, et on demande s'il n'y a pas un médecin. Vous voyez, c'est un vélo de 1913 qui va essayer de réaliser une petite course, mais je ne sais pas s'il va tenir jusqu'au bout. Un des grands succès de cette manifestation, c'est que vous étiez une quarantaine il y a 2 ans, et là, il semblerait qu'on ait autour de 90 participants, et à vue de nez, ils sont loin d'être tous réunis.
Donc tous ceux qui... Voilà, ça déjà, c'est d'ores et déjà une belle réussite. On peut applaudir les organisateurs. Bernard Cusseguy, Bernard et Raymond Payot, au premier chef. Je m'appelle Raymond Poulidor, j'ai été 8 fois sur le podium, je n'ai jamais porté le maillot jaune. Où les officiels vont déposer cette gerbe sur ce mémorial de l'Académie. Voilà. Je vous demanderai, mesdames, messieurs, de venir vous voir. Une minute d'applaudissement, s'il vous plaît, en mémoire de Raymond Poulidor. C'est une très belle organisation, il y a beaucoup de monde. Et on a la chance d'avoir le soleil, même si ce matin il a plu un petit peu. Les bénévoles sont sympas, il y a le circuit est chouette. Le contenant, là, mais le contenu de la bouteille. Mais c'est ce que je voulais dire au début. Je vais commencer par ça, chef. Du rhum. Voilà. Raymond Payot, et voilà, vous pouvez l'applaudir, il nous a fait le grand honneur de venir chez nous ici aujourd'hui, il est en état de fraîcheur, incomparable, regardez-moi un petit peu la mine qu'il a, une mine resplendissante, 350 titres nationaux pour Raymond Payot, ici sous les couleurs de Big Mat au vert, voilà Raymond Payot. Qui vous fait un petit tour d'honneur sympa qu'il vous donne. Vous pouvez bien entendu l'applaudir chaleureusement. Applaudissements nourris pour Raymond Payot, qui mérite la cheville ouvrière de ce critérium vintage. Oui, Saint-Claude, je l'ai gagné en 1970, mais le circuit était dans l'autre sens et l'arrivée était en haut de l'église, sur la petite placette là. J'ai gagné et le deuxième, c'était en Blesse de la Couronne. Voilà, le circuit était, je pense, plus dur, parce que la côte de l'arrivée était beaucoup, nettement plus dure. Donc, bravo merci à toi, Olivier. Merci. Et puis, on va dans un instant aller voir le jury qui va nous donner le nom du premier. Le premier, il a tous les critères pour gagner sa première place. Donc, je nomme monsieur Gauvry. Jean-Claude Gauvry, voilà, on va s'annoncer quelque chose. Jean-Claude Gauvry, alors... André va nous en dire un petit mot, mais on parle tout à l'heure qui a gagné l'épreuve ici dans les catégories jeunes il y a quelques années.
Un petit peu de ravitaillement déjà. Ah, ouais, 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 voilà. Souvenir d'Antoine, un côté clin d'œil Antoine Landin, Xavier. Oui, c'est pareil, c'est très simple. Là aussi, c'est une lithographie réalisée pour l'hommage national à Antoine Blondin à Linard. Et il y avait un train spécial au départ de Paris avec beaucoup de champions de personnalité. Et cette lithographie, le dessin a été réalisé par Blachon, dessinateur vedette du journal L'Équipe. Ce qui lise L'Équipe savent très bien. Voilà, donc c'est un souvenir qui nous rappelle aussi tout ce qu'a apporté le cyclisme et à travers aussi la plume magistrale d'Antoine Blondin. Voilà, le symbole est toujours présent à Saint-Cloud aujourd'hui. Et quand André est président des anciens cyclistes de Poitiers-en-Lormette, là aussi c'est un beau symbole. Oui, ben c'est une journée réussie. Et je crois qu'avec Raymond Payot et puis toute son équipe, avec notre speaker animateur Dominique Renoux, bon, ben, c'est une grande journée réussie. Grande journée réussie. Moi, en 60, où je suis la révélation du Quidom Saint-Cloud, aujourd'hui, je suis là encore. C'est formidable. Bravo à tous et merci encore pour le beau témoignage que vous avez apporté, vous tous, ici aujourd'hui à Saint-Cloud. Merci. Alors, c'était une très belle fête, c'était très bien réussi. Et j'espère que ça continuera comme ça. Et il faut encourager les organisateurs et les coureurs pour que ça soit, ça continue dans la continuité. Quoi. Non, mais très peu, Guy. Merci beaucoup. Donc alors, mesdames, messieurs, vous applaudissez Raymond Payot, Cussaguet et puis tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation. Mesdames, messieurs, je voudrais faire une ovation majeure ici aujourd'hui à Saint-Cloud. Thank you.